Pour développer la culture hip-hop dans le bassin sud ardéchois, faire découvrir les valeurs, mettre en place des dispositifs pour découvrir la danse, à travers des spectacles, à travers des battles, à travers des journées dédiées à ça. 16, 14, 15, 14, 13, 13, 14, 16. Depuis la semaine dernière, 13, Léo. Je crois que c'est le junior. C'est un endroit qui appartient à quelqu'un. C'est un terrain. C'est-à-dire, on est tous en Ardèche, mais en même temps, dans différents villages. C'est-à-dire que là, ça s'étale de. Je crois que ça serait Saint-Privat le plus loin au nord, jusque. Peut-être Vallon, Gros-Pierre le plus loin à droite. Gros-Pierre. C'est ça ? Ouais, je crois. On va dire ça, on a. Ça serait Ruben à Vallon, quoi. Ça m'a posé. Ça empêche beaucoup de choses, mais on arrive quand même à se revoir. On s'organise entre nous, et du covoiturage. Après, il n'y a pas tellement de bus, donc ça, c'est un peu compliqué, des fois. Souvent, on s'organise pour une fois par telle personne, une fois l'autre. La danse, c'est un peu une compilation d'émotions, en tous les cas. Donc, forcément, on apporte un message quand on danse, mais pas spécialement visé ou pas personnellement. En partageant la même passion. T'en profites. Si je pense que même inconsciemment le message il existe quand même. Vous êtes activiste de l'une des disciplines les plus urbaines sur l'un des territoires les plus ruraux en Ardèche. Donc le message il est quand même puissant, même si on n'en est pas forcément conscient, mais vous représentez une culture qui n'est pas forcément facile à porter sur nos territoires à nous. Donc si je crois qu'il y en a un message quand même. Bah que les gens ils voient le hip-hop autrement, c'est-à-dire à travers ils voient mal différentes musiques, ils croient que c'est direct. C'est du vandalisme. Ça vient de la street et tout ça, alors que non, le hip-hop maintenant ça s'est développé sur différentes musiques. C'est un art comme maintenant, c'est un art comme les autres. Même entre danseurs, des fois il y a différentes visions de la danse. C'est un peu dans le travail en amont, c'est-à-dire l'aspect montage de projet et tout ça. Qu'on se frotte à certains trucs et moi j'essaye d'être toujours au contraire tout plein d'entrain, donc d'essayer de squeezer ces aspects là mais c'est quand même vrai. Puis je pense que vous l'avez quand même déjà plus ou moins vécu selon les structures, parce que Boom Bap c'est une asso de jeunes qui pratiquent la danse, pas nécessairement tous, enfin maintenant si, mais pas nécessairement tous au sein de la même structure. Et c'est vrai que selon les structures, vous le savez, c'est quand même véritable souvent. Les danseurs hip-hop sur les répètes, c'est un peu ceux qui sont négligés. Sur l'accès au vestiaire, on est un peu aussi quand même. Malheureusement, c'est encore une réalité. C'est quand même assez souvent qu'on se tape la journée de répète pour avoir accès au plateau les trois dernières minutes, de 19h à 19h03. Ouais, parce que là, on fait les ronchons, mais quand même, il y a une vraie progression. On est là. Il y a 15 ans, on n'était pas là. Donc, il y a quand même une vraie progression, Cécile. Les choses avancent, les choses s'accomplissent. Beaucoup de choses. Ah, être moins timide. Quand on vient à la danse, du coup, ça nous libère un peu l'esprit. On pense à autre chose, on pense à. On pense plus. On pense plus en fait. On vit l'instant présent en gros et nos émotions, on les transmet à travers la danse. Être moins timide, tu disais ? Ouais, être moins timide. Et s'ouvrir aux autres. Un peu de confiance en soi ? Ouais. Même. On est une équipe, donc on trouve un peu une famille. Après, c'est sûr, ça fait plaisir d'être ensemble, quoi. On se voit, il y a des fois où on va manger quelque part ou quoi, donc je pense que c'est sûr que ça avance quelque part. On se voit plus. Puis ça se prolonge sur les réseaux sociaux, évidemment. Puis des contacts. Regarde, là, par exemple, je crois que ce soir, après l'entraînement, il y en a certains d'entre vous qui font un truc ensemble, qui vont bouffer ou pas. Il y a un anniversaire ou je sais pas quoi. Ça a tissé un peu des liens de jeunes qui n'allaient pas nécessairement se rencontrer.
Moi, je ne connaissais personne. Ouais, mais il a même plus, t'arrives d'ailleurs. Moi, je connaissais personne en fait. Si Ruben, tu le connaissais de lui. Ouais, ça a tissé des liens. Ben, un, je ne l'avais jamais vu, Naïva non plus, Emma, vous n'avez rien vu. C'est pas qu'on ne se connaissait pas, mais genre, en fait, référence, quoi, la soirée du Cascabar, ben, on me reconnaît grâce à ça, ou, c'est marrant. Moi, on m'a reconnu au collège, au Cascabar. Mon pion. Mon pion est arrivé à moi, il m'a dit, c'est toi qui danses là-bas au Cascabar. Il faut qu'ils viennent tous. Pas tous, mais il faut qu'il y en ait qui viennent, quoi. Enfin, qui découvre, même pas ici, mais qui découvre notre culture. Ouais, si on s'intéresse, on se rend compte que la culture elle est hyper vaste et qu'elle est développée dans toutes sortes de pays, même ceux qui n'ont pas la disponibilité à Internet ou quoi, bah, ils dansent quand même. Mmh.